savoir un peu ce que tu deviens. Dis-nous un petit point, s'il te plaît. Ok. Bah en fait, moi je passe 6 mois de l'année en Australie. En fait, quand c'est l'hiver en France, je vais en Australie pour m'entraîner. Et je fais le circuit pro junior en Australie. Donc je fais à peu près 12 à 15 compètes en Australie pendant les 6 mois où je reste là-bas. Et mes parents ils ont une maison là-bas, donc je surfe beaucoup. Et après, quand le circuit européen commence, je vais chez ma famille en France, j'ai des cousines et tout, donc c'est cool, et je reste chez eux là-bas. Donc après, je voyage avec Quicksilver, faire les QS, les Pro Junior et tout. Et c'est vrai que ça me manque, la Réunion Saint-Leu et tout, c'est une bonne vague, et ça fait longtemps que je n'ai pas surfé de bonne vague comme ça, et ça me manque vraiment. Ok, et quels sont un peu tes objectifs au niveau de ta saison sportive là? Ben, cette saison, j'ai fait tous les QS et je voulais rentrer dans les 200 premiers, 250. Mais sachant qu'au début de la saison, j'étais à 800 au QS, donc maintenant je suis 250, donc c'est pas mal et j'ai pas fait toutes les compètes en plus. Et donc ça me donne un seeding pour l'année prochaine et j'espère l'année prochaine je serai 150. Voilà. Ok, d'accord, donc là tu t'investis à fond sur les QS. Ouais, je veux bien faire. Ouais. En fait, ouais, je veux faire les QS. Et donc là après, tu m'as dit que tu rentrais 3 jours à La Réunion et tu fais quoi après? Là je vais rentrer 3 jours à La Réunion, après je vais aller en Australie jusqu'à janvier et après début février je vais aller à Hawaï pour faire un QS 4 étoiles et commencer un petit peu la saison avec les QS. Ok, bon ben on va s'arrêter là et tu as toute La Réunion qui est avec toi et bonne continuation, courage Damien. Ok, merci. Ciao.